Je consomme local avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Bonjour à tous, c'est Prisca et je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle recette de la semaine. On cuisine ensemble le porc local et la recette du jour est une poitrine rôtie, mais attention, basse température. Pour réaliser cette recette, il vous faut de l'huile d'olive, du sel et du poivre, un bouquet garni, oignons, ail, piment végétarien, du gingembre, du sucre, vinaigre balsamique, du thym, clou de girofle, mon mélange d'épices secrets et bien sûr de la poitrine de porc local rincée à l'eau citronnée. J'ai ici un mélange maison de piment de cayenne et de paprika. Et puis quelques herbes encore. Clou de girofle, du thym, sel et poivre, une petite pâte maison réalisée à base de piment végétarien, gingembre et ail cru, un peu de vinaigre balsamique, le sucre de canne et un filet d'huile d'olive. Frottez généreusement la pièce de porc sur toutes les faces. Direction le réfrigérateur. 1 heure minimum, une nuit entière, c'est encore mieux. Dans ma poêle, je dépose la pièce de porc bien chaude. Je vais maintenant déposer la poitrine de porc directement sur le grill. Pour le four, préchauffé à 150 degrés. On est parti pour une cuisson d'1 heure à 1 heure 15 en fonction de la taille de votre pièce. Fin de cuisson. Pour ma sauce, c'est très simple. J'ai récupéré mes jus de cuisson. J'y ajoute mon bouquet garni haché. Et ensuite, j'épaissis avec un petit mélange de maïzena et eau ou farine classique et eau. Place maintenant au dressage. Pour moi, ce sera riz et légumes pays. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle recette. À bientôt! Je consomme local avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique.